Et dernier samedi de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. Depuis plus de 3 ans, Radio Ici et Maintenant émet sur le canal 9A de la RNT, la radio numérique terrestre, où nous avons retrouvé notre pleine fréquence. Ça suppose de vous équiper d'un poste en DAB+, mais nous y sommes présents 24 heures sur 24, comme en bon nombre d'autres stations. On vous attend 24 heures sur 24, sur le canal 9A de la RNT. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous? David Abassian avec vous, comme tous les lundis et chaque dernier samedi du mois. Je suis très ravi de cette retrouvaille, mes chers amis. Alors, n'oubliez pas que vous avez la parole et dès que vous désirez parler, vous pouvez composer votre numéro 08 92 23 95 20 et vous avez la parole. Vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, dans le monde entier, en tapant ici et maintenant.com, ici et maintenant.com, et sur 95.2 FM. Et comme Morgan, il vient de vous informer, et comme vous êtes déjà informé depuis plusieurs mois, sur la RNT, Radio Numérique Terrestre, le canal 9A. Également, vous pouvez nous écouter 24 sur 24. C'est le progrès. RND, c'est nouveauté et c'est digital. Et vous pouvez nous écouter 24 sur 24, mes chers amis. Alors, de quoi vous voulez qu'on parle ce soir? Allez-y. C'est à vous de nous dire. Vous pouvez choisir votre sujet. Si vous avez des questions aussi, nous sommes là à votre service. Mais permettez-moi, juste au départ de notre émission de ce soir, parler un peu de l'histoire. Actuellement, la violence, les assassinats, le terrorisme, c'est le sujet quotidien. Et partout, on ne parle que de ça. Alors, on ne parle que de ça. On va voir ensemble, déjà, mes chers amis, si vous voulez bien, non? Si vous voulez bien, restez bien à votre place. On va étudier ensemble, historiquement, l'origine de la violence, l'origine de la terreur, l'origine de la guerre, et tout ça. Ce soir, ensemble, et bien sûr, on va partager nos avis. Vous savez, il y a deux visions dans le monde. Deux visions, deux philosophies et deux pensées. Première, c'est le pensée religieux. Et la deuxième, c'est le pensée laïque. C'est le pensée laïque. Et ces deux pensées-là, ces deux philosophies-là, depuis des siècles, ils sont en guerre. Et depuis toujours,
les guerres, les problèmes, les violences, et beaucoup de sujets qui ont détruit, plupart des fois, une grande partie de l'humanité. L'origine, c'était la guerre entre le cerveau et la religion. Entre moi, je vais vous dire, entre les ténèbres et la lumière. Entre l'imitation aveugle et rationnelle, avec une conscience, bien sûr. C'est-à-dire, être rationnel, ça ne veut pas dire qu'on ne croit à rien du tout. Les gens rationnels, également, ils croient à cette organisation qui existe dans le cosmos. Alors, les gens de la religion, ils vont le nommer Dieu. Mais, il dit grand architecte de l'univers, grand organisateur, le cerveau du monde, etc., etc. Cette guerre, dès le départ, vous connaissez Abel. Vous savez que Adam et Ève, ils avaient deux enfants, Abel et Caïn. Vous connaissez Abel et Caïn. Selon toutes les religions monothéistes, le commencement de l'être humain, ce n'est pas le Big Bang. Ce n'est pas l'histoire et théorie de Darwin. C'est il y a déjà 6000 ans, et l'histoire d'Adam et Ève, et ses enfants, leurs enfants, voilà, Abel et Caïn. Mais Caïn, il va assassiner Abel. Et première jour de commencement de vie religieuse sur terre, c'est la guerre, c'est le terreur, c'est l'assassinat. En plus, qui? Le frère va tuer son frère. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais, comme je vous ai dit, vous avez la parole, et nous avons plus que Betty avec nous. On va le prendre tout de suite, Betty. Bonsoir, Betty. Oui, bonsoir monsieur Bassi, j'espère que vous allez bien. Très bien, cher Betty. Très bien, cher Betty. Et vous allez bien? Oui, ça va, merci. Je vous remercie. Merci. Là, j'ai mis le haut-parleur, alors j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend bien. On vous écoute, cher Betty. D'accord. Alors moi, je voudrais parler des médias. Alors les médias, quand on écoute les médias, alors qu'est-ce qu'on entend? On entend une voiture folle. Faut qu'on m'explique, hein, est-ce que c'est K2000, est-ce que c'est une voiture téléguidée par un enfant, une voiture à pile, hein, puisqu'une voiture folle, faut qu'on m'explique ce que c'est qu'une voiture folle. Ensuite, au niveau des attentats qu'il y a eu à Barcelone, la personne terroriste, ils l'ont arrêté, et soi-disant, d'après les médias bien sûr, il est d'origine marocaine. Il avait demandé, en Finlande, il avait demandé l'asile politique alors qu'il est d'origine marocaine. Qu'est-ce qui se passe au Maroc? Il se passe quelque chose pour qu'on demande l'asile politique? Parce que quand on demande l'asile politique, c'est parce que le pays il va très très mal, d'accord? Ou il est en guerre, ou il se passe, je sais pas. Mais apparemment, le Maroc, ça va. Alors donc, le terroriste demande l'asile politique et il poignarde en plus des femmes. Il y a un grave problème avec ces médias. Et là, on dit, j'ai écouté tout à l'heure, ça m'a fait sourire parce que quand j'ai l'impression que c'est un théâtre, c'est du cinéma, les médias. Ils font pas leur travail, ils font un très mauvais travail. À la limite, ils sont payés pour mentir. Donc, c'est tous des déséquilibrés, quoi. Donc, c'est comme si tu avais une grande maladie mentale actuellement qui se propage dans les airs. Et puis, ben, ça touche une certaine population, une certaine communauté, qui c'est un grand virus mental. Qui est en train de se propager si on doit écouter les médias. Voilà.
parce que ils osent pas nommer le vrai les vraies horreurs qui se passent. Voilà. Je voulais vous dire ça. Alors, Betty, les vraies erreurs, c'est quoi? Expliquez-vous. Ben, j'ai entendu, je me suis mis un peu sur les médias espagnols, et ben, ils ont dit comme quoi que la voiture, elle zigzaguait, elle allait pas tout droit, elle allait en zigzag pour faire plus de mal. Donc les gens ont témoigné, et ils ont dit qu'ils ont vu des horreurs, quoi, des poussettes arrachées, ils ont vu des horreurs. Si ça c'est pas une horreur, il faut m'expliquer ce que c'est, hein, alors à ce moment-là. Hein. Moi, pour moi c'est une horreur. Maintenant, est-ce qu'il faut hiérarchiser les horreurs? Si pour vous ça n'en est pas une, pour moi c'en est une. C'est tout à fait dommage qu'aujourd'hui, que je répète encore une fois que les politiques ils prennent pas du tout leurs responsabilités, parce que le vrai problème c'est l'islam radical, l'islam terroriste radical, qui est en train de s'implanter en France avec l'appui des politiques, puisque tout va bien, tout se passe bien, et puis moi je vois pas personne réagir. La dernière fois ils ont invité, je sais pas si vous avez vu sur BFM, ils ont invité un expert du terrorisme, écoutez bien ça. Il était venu, j'ai oublié son nom, il s'appelle Paul, mais j'ai oublié son nom de famille. Il était donc, c'est un expert, et il a des années d'expérience dans l'expertise, enfin, entre guillemets, du terrorisme. Donc c'est quelqu'un qui connaît le métier. D'accord? Alors, quand il a commencé à parler, à dire ce qui se passait réellement, eh ben, ces journalistes se sont offusqués, se sont mis en avant, se sont énervés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, cet homme-là, en plein plateau, il a quitté... Vous avez pas vu? Il a quitté le plateau. Parce que c'est une honte ce qui se passe. C'est une honte ce qui se passe. On étouffe la parole et on laisse parler des faux journalistes qui veulent endormir la population. De toute manière, on voit bien qu'il y a un grave problème, hein. Tout le monde le sait. Mais on préfère en France mentir au peuple. C'est un scandale. Les gens qui n'ont pas accès, je suppose, à d'autres médias, et en plus ça passe en boucle. Donc les gens, bah, ça rentre dans leur tête, et en fin de compte, ils en font croire du vent, quoi, de l'illusion. Alors que le vrai problème, c'est pas ça. Allô? Je vous écoute et tout le monde vous écoute, Betty. Ne vous inquiétez pas, on vous écoute. Vous avez tout à fait raison, puisqu'il y a une censure, on peut dire, dans les médias, qui ne nous dit pas la vérité, Betty. Ça, vous avez tout à fait raison. Écoutez-vous, Betty. Ça fait combien d'années que vous écoutez Radio ici maintenant? Ça fait des années. Ça fait quelques années. Voilà. Vous savez, David Abbasi, qui soit sur cette antenne-là, ou dans mes livres, ou dans mes émissions en persan ou en arabe, depuis 1980, j'ai écrit même un bouquin, Les secrets de l'islam. Et depuis 1980-1981, j'ai montré l'ennemi de la civilisation moderne. Et on a fait beaucoup de débats, même on a été menacé, même on a été protégé par le gouvernement soi-disant.
Et pendant des années, on a parlé, on a dit, on avait des ennemis, il y avait d'autres antennes, d'autres stations qui faisaient des émissions contre nous, envoyaient des pétitions à droite, à gauche, etc., etc. Mais nous avons ciblé le danger depuis presque 40 ans. Moi, quand je dis moi, c'est David Abbasi, je ne parle pas au nom de la radio. Hein. J'avais dit toujours que c'est mon opinion, c'est David Abbasi qui parle. Je remercie Radio ici maintenant de me donner la parole. C'est mon tribune, une tribune que David dit là. Et depuis toujours aussi, j'avais cette tribune. Mais n'oubliez pas, les gens qui nous écoutent depuis 30 ans, 35 ans, qui me connaissent depuis des années, imaginez-vous que quand on était en train de dire qu'il y a un autre islam, un autre danger, un autre terrorisme qui est très dangereux. Il va porter le nom de l'islam. Il porte le nom de l'islam. Aucun rapport avec les musulmans qui sont bien, qui sont gentils, avec l'islam modéré, avec l'islam de cœur. Ça, on n'en parle pas. Mais cet islam, cet danger, depuis plusieurs années, on a dit, c'est moi que j'ai inventé le mot islam politique. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'islam politique. Le mot a été inventé par David Abbasi. Le mot, c'est moi qui j'ai inventé ce mot-là. À l'époque, on ne nous écoutait pas. Et aujourd'hui, que nous voyons chaque jour des victimes, encore on hésite de parler de cet islam terroriste et de solutions que nous avons données. Nous avons donné comme un spécialiste. Cette personne que vous dites, moi je l'entends d'où ? Soi-disant, c'est des spécialistes. Alors, on a des spécialistes dans le domaine médical, dans le domaine urbanisme, dans le domaine, je ne sais pas quoi, dans l'histoire, vous avez des historiens laïcs, des spécialistes, ils donnent des solutions. C'est ça les solutions que j'avais dit, j'avais écrit dans mon bouquin quelques sujets tabous de l'islam. C'est l'islam politique, le projet que j'avais donné à Sarkozy quand il m'avait demandé. Là-bas, je parle. Je dis, il faut contrôler les imams. Il faut savoir ce qu'il dit. Il faut qu'il parle français. Il fallait qu'il soit éduqué dans les universités, dans les écoles françaises. Il fallait qu'il soit républicain. Il faut que ces gens-là comprennent qu'est-ce que ça veut dire la République, la laïcité, liberté, égalité, fraternité, civilisation judéo-chrétienne. Imaginez-vous que M. Abdel Bari, qui était le chef de cette cellule terroriste espagnole, imam de mosquée. Je ne parle pas contre tout l'imam, hein, non. Je dis, il y a une minorité, aucun rapport avec la majorité des musulmans, la majorité des imams qui sont bien. Mais ce monsieur-là était imam, il a été assassiné au moment qu'on était en train de manipuler le bombe. Il était assassiné il y a déjà quelques jours avec les autres, Abdel Bari. C'est-à-dire, il était en même temps idéologue et en même temps préparateur des attentats. Et Younes, lui aussi, il a été assassiné. Les Espagnols, ils l'ont tué il y a déjà quelques heures. C'est-à-dire, cette cellule était terminée, soi-disant. Mais regardez-vous, ici, vous voyez le visage d'un imam présent dans le mosquée et dans la préparation d'attentats et de bombes. Et ça, nous avons dit depuis toujours. On a dit qu'il y a des versets qui ordonnent de tuer les autres et ces versets doivent être annulés. La République, l'État, les musulmans, les chefs, les patrons des mosquées, ils doivent avoir le courage de dire que ces versets-là sont annulés. Protestantisme doit commencer, protestantisme islamiste, comme a été commencé chez les catholiques, chez les chrétiens. Le cerveau doit prendre la place de ténèbres. Comme je vous ai dit, Abel, il était assassiné par Caïn. Caïn, dans cette idéologie, je vais vous montrer tout à l'heure, dans les deux fils d'Adam et Ève, dans cette idéologie religieuse, Caïn, comme le diable dans le Coran, il a l'autorisation de rester vivant et continuer ces bordels de merde. Je vais vous montrer là ce soir. Betty, je vois que vous êtes là de nouveau. Si vous avez d'autres choses, on vous écoute. Oui, en même temps, vous savez, pendant les attentats de Nice,
J'ai eu la stupeur de voir que l'Égypte, une certaine population, un certain nombre d'Égyptiens, ben, ils ont fait la fête. L'attentat de Barcelone, je ne citerai pas les noms, mais dans des politiques musulmans de pays du Proche-Orient, on dit que comme quoi c'était un mauvais djihad, parce que ça n'a pas été une horreur de grande envergure. Donc il faut écouter ce qui se dit à droite et à gauche, et c'est effrayant, parce que quand vous pensez que en plus la France se serre les coudes avec ces gens-là, c'est incroyable, quoi, parce que en fin de compte, moi qui suis né en France, j'ai l'impression de plus correspondre avec ce pays. Puisque ce pays, déjà, il nous ment, il manipule les gens à travers les médias, via les politiques. Hein. Moi, je suis sûre que derrière les médias, il y a les politiques, je suis sûre et certaine. Je suis convaincue. Et en fin de compte, on n'est pas réellement défendu, quoi. Parce que ils mettent en avant toujours ces mensonges, ils mentent, et en échange, c'est comme un échange, c'est comme si tu avais signé des contrats avec des pays musulmans, et donc en échange, eh ben, on subit, l'Europe subira gravement le terrorisme. Là, les attentats qu'il y a eu, les nombreux morts qu'il y a eu en Europe, c'est en contrepartie les contrats que l'Europe a signé avec les autres pays. Il faut savoir que d'ici, ça se trouve, ils sont déjà arrivés, c'est passé à la radio, j'ai oublié, c'est un géopolitique qui l'a dit, il y a 3000 Syriens qui arrivent, hein. Je vous l'ai dit, je ne sais plus la dernière fois, ils arrivent en Europe, ils n'ont pas dit quel pays, hein. Encore une fois, ils cachent l'information, avec femmes, enfants, mari, qui ont appris, quand on va en Syrie, on ne va pas au Club Med, hein. Donc vous savez ce qu'ils ont appris, et ils reviennent tranquillement, gentiment, avec les portes ouvertes, en Europe. Est-ce que vous trouvez ça normal? De toute façon, Betty, il ne faut pas oublier que tous ces gens-là sont sous la surveillance de l'État. L'État, les services, ils fonctionnent tellement bien, ne vous inquiétez pas de ce côté-là, mais le peuple devra être dans le champ de combat, c'est-à-dire c'est une guerre. Dans cette guerre, le peuple devra être dans le champ de combat. Si, tout à l'heure, on a réussi à abattre le terroriste qui conduisait la camionnette en Espagne, c'est-à-dire Younes Abu Yaqub, si on a réussi à l'abattre, c'était grâce au peuple espagnol qu'ils ont participé dans ce combat, et ils ont dénoncé l'individu qui était suspect, et qui l'ont aperçu. Tout de suite, ils ont annoncé, appelé l'État, c'est-à-dire les services. Après, les policiers étaient présents, les services antiterroristes, etc., etc. Dans une chambre de vigne, on a abattu tout à l'heure Younes Abu Yaqub, celui qui conduisait la voiture à Barcelone. Et en même temps, on a appris qu'Abdel Bari, imam d'une mosquée et patron et chef de ces 12 terroristes aussi, il était déjà mort dans la manipulation, au moment qu'on était en train de manipuler le bombe à la maison, etc., etc. Il y a eu quelques jours avant ça. C'est-à-dire le peuple va participer aussi présent dans les médias, ce que toi tu viens de nous dire, Betty, et les gens comme vous, vous devez élargir ce débat-là. Alors, Monsieur Abbasi, excusez-moi, il y a une autre information qui circule, comme quoi qu'il y a un autre terroriste qui faisait partie de Barcelone, et soi-disant, ils ont pas réussi à l'attraper, c'est un jeune, son visage, il circule partout, et apparemment, ou peut-être,
il serait déjà arrivé en France. Barcelone, la France, c'est à côté, hein. Non, non, ça, le cellule, cette cellule, cellule d'Espagne, c'était terminé puisque c'est tout à l'heure qui a été annoncé. Vous allez écouter dans les informations. Tous les membres de cette cellule ont été abattus, terminés, tous s'est tué et exterminé. C'est fini, cette cellule terroriste. Et il faut pas oublier qu'en France, c'est notre ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, il a annoncé, je crois que c'était avant-hier, j'ai entendu, lui-même il a dit, il y en a 18 000 personnes dans le fichier S, et 11 000 personnes, ils sont sous la surveillance du ministère, c'est-à-dire leur appel téléphonique, leur déplacement et tout ça. Alors, de l'autre côté, c'est ça, le peuple, écoutez, les services... les policiers, ils sont au service de peuple. Nous ne sommes pas dans un pays dictature, fasciste, qu'on devrait être contre notre policier, contre nos services. Par contre, je sais très très bien, dans le pays tiers-monde, puisque les policiers sont pour frapper le peuple eux-mêmes, alors les gens ne collaborent pas, et même ils sont contre leurs forces d'ordre. Mais ici en France, en Europe, en Occident, les policiers, les services sont pour la sécurité du pays, alors les gens doivent soutenir et tous les actes suspects, il faut l'annoncer rapidement. Tous les actes suspects. Parce que, écoutez bien, je vais vous dire une chose, celui qui est malade mental, qui vous le constatez n'importe où, qui ne peut pas supporter, je ne sais pas, un petit truc, même si c'est un malade mental, il faut qu'on le soigne. Parce que sinon, ce sera l'histoire des malades mentaux que vous avez entendus à droite, à gauche aussi, où ils ont appris comment tuer les autres. Parce que là, les actes terroristes, c'est terroriste. Quand on tue, on tue, hein, vous voyez. Voilà. Betty. Et en même temps, je voulais terminer sur ça. Quand ils ont dit aussi pour Barcelone, ils ont arrêté le suspect qui ont écrasé les gens. En France, ils disent ça. Hein. Ils ont arrêté le suspect qui ont écrasé les gens. À partir du moment qu'il a écrasé, il n'est plus suspect. Il est terroriste. Vous avez vu comment ils manipulent les gens? Non, je n'ai pas entendu. Ils ont dit quoi? Ils ont dit le suspect? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs que c'était lui? Le suspect qui a écrasé a été arrêté. Mais un suspect qui a écrasé, ce n'est pas un suspect. C'est un terroriste. Voilà comment on manipule les gens. On met suspect à la place de terroriste. On met déséquilibré à la place de terroriste. On met solitaire. Demain, ils vont mettre un autre nom. Ils vont trouver un autre nom. Mais c'est un terroriste islamique. Voilà. Merci Betty, au revoir. Alors, je viens de préciser que le chauffeur de Barcelone a été abattu, et même imam de ce mouvement était déjà tué, et cette cellule de Barcelone, tous les membres, où ils sont arrêtés, ils sont en prison, ou c'était assassiné. Pour ça, je vous prie de vérifier vos sources quand on vous donne la parole. Quand on vous donne la parole, soyez informés et ne dites pas n'importe quoi. Betty, quand il a dit comme quoi l'autre suspect, il a pris la fuite vers la France, tout de suite, David, il a corrigé. Tout de suite, David, il a dit non, il a été abattu dans un champ. C'était dénoncé par les gens. Après, il y a eu l'intervention. Après, les policiers, ils ont demandé de se rendre. Lui, il a ouvert la chemise, il avait une ceinture. Dès que les policiers ont vu sa ceinture, ils ont commencé à tirer, ils l'ont abattu, mais s'il n'avait pas le bombe sur lui, voilà. Mais il voulait mourir, il a fait comme ça. Pour ça, cette cellule de Barcelone, c'est terminé. Tous les membres, ils sont en prison, ou assassinés, les gens qui ont assassiné les innocents. À Barcelone,
c'était abattu, surtout le chauffeur. Et vérifiez vos sources, s'il vous plaît, quand vous voulez intervenir, et sinon, faites confiance à David, quand il vous précise, juste au départ de mon émission, je vous ai dit, que tous ces gens-là s'étaient assassinés. Voilà. Et vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Et vous écoutez votre radio, ici et maintenant. N'oubliez pas que si vous tapez ici-et-maintenant.com, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Et sur la RNT, Radio Numérique Terrestre, le canal 9A, vous pouvez nous écouter. Ça fait 3 ans que nous sommes présents sur Radio Numérique, mes chers amis. Et en plus, là-bas, c'est 24 sur 24. Vous savez, c'est le progrès de demain. C'est-à-dire, demain, dans tous les véhicules, vous allez avoir Radio Terrestre. Et actuellement aussi, dans la plupart des chaînes de télévision, je ne sais pas quelles sont les compagnies, mais vous avez cette radio digitale, numérique, voilà. La radio ici maintenant est présent 24 sur 24. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, mes chers amis, juste au départ de notre émission, je vous ai précisé que toutes les guerres, toutes les violences du monde, ça a commencé il y a déjà environ 6000 ans, à l'époque de Adam et Ève, par leurs enfants. Et Abel et Caïn, deux garçons d'Adam et Ève, la jalousie. Il dit que le Dieu, il a aimé l'autre plus que moi. Pour ça, il va le tuer. Et cet assassinat va entrer nous dans une guerre éternelle. C'est-à-dire, si vous avez le pensée religieux, c'est comme ça. Mais si vous avez une pensée rationnelle, réelle, soi-disant laïque, Big Bang, théorie de Darwin, que vous êtes pour le compte, c'est-à-dire que la vie n'a pas commencé, la vie humaine n'a pas commencé il y a déjà 6000 ans à partir d'Adam et Ève. Alors, vous pouvez constater qu'aujourd'hui aussi, les gens qui sont un peu plus intelligents sont victimes des gens qui sont minoritaires mais violents. Et violents au nom de la religion. Au nom de la religion. Puisque je vous ai promis de vous faire entendre cette petite histoire de deux enfants de Adam et Ève. Écoutez ça, s'il vous plaît. Fille, pendant ce temps, je vais voir comment je peux aider mon frère. Pourquoi est-ce que tu es venu me chercher, Cain?
Parce que j'ai entendu un agneau bêler au milieu de mon champ de blé. C'est sans doute un des tiens. Vaudrait mieux que ce soit toi qui le trouve, parce que si c'est moi, je ferai un feu et je le retirerai sur place. Tu cherches par là, et moi j'irai par ici. Où es-tu? Où es-tu? Ah, te voilà enfin, mon petit agneau. Je vais te sortir de là tout de suite, espèce de garnement. C'est je me demande qui entre t'a attaché dans le piège là. De son frère. Qui a bien pu faire ça? C'est moi, mon très cher frère. Et c'est le cas qui va tuer Abel. Son frère. Il va le tuer. Il l'a tué. Et maintenant, c'est Adam et Eve vont venir. Abel, où êtes-vous? Pour trouver leurs enfants. Il n'y a personne ici. Je crois qu'il faut que je m'assoie un instant. Ensuite, nous rentrerons c'est à Adam. La maison. Ils finiront bien par rentrer. Voilà. C'est un des agneaux d'Abel. Comment te retrouves-tu si loin du troupeau? Maman? Elle trouve son fils assassiné. C'est qui? C'est Monsieur Abel. En arabe, en persan, on dit Habil. Habil et Qabil. Les deux enfants de Adam et Ève, les deux garçons. Mais regardez, écoutez ici. Ici. Comment la religion, soi-disant, va donner la refuge à qui? À Caïn, qui a tué son frère. Maintenant, il va parler avec le Dieu. Caïn! Caïn! C'est le Dieu qui parle. Tu reconnais ma voix? Évidemment que je reconnais ta voix. Tu es le Seigneur. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Dis-moi, Caïn, où est ton frère, Abel? Je sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait, Caïn? Tu ne peux pas fuir, Caïn. Écoute le sang de ton frère crier vers moi depuis le sol. Je l'entends. Sois maudit, Caïn. Fuis le sol qui, par ta main, a bu le sang de ton frère. Tu es maudit par le sang de ton frère. Si tu cultives la terre, elle ne te donnera plus ses fruits. Et toi, tu seras pour toujours un fugitif parcourant la terre. Oui, Seigneur, j'ai tué mon frère. Ne m'abandonne pas. Je suis là, Caïn. Je suis là, le Dieu, il est là. Je suis trop coupable pour espérer ton pardon. Tu me bannis aujourd'hui de mes terres fertiles, et je devrais me cacher loin de toi. Je suis terrifié, ô Seigneur. Je vais devenir un fugitif errant sur la terre, maudit et méprisé, et le premier venu me tuera. Adam, avec le Dieu. Ça aussi, c'est très important. Pour comprendre cette fanatique religion qui se croit être représentant de Dieu. Que nous est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à mes deux fils? Aide-moi à comprendre pour se permettre ce que de seul tuer je ne n'importe peux comprendre. Qui, les innocents. Seigneur! Le frère a tué le frère, Seigneur. Je sais qu'Abel était cher à ton cœur, mais j'ai perdu mes deux fils et je suis submergé de chagrin. Et maintenant, le sang d'Abel doit être lavé par le sang de Caïn. Celui qui le rencontrera devra le tuer pour que justice soit faite. Non, Adam, telle n'est pas ma volonté. Non,
tel n'est pas ma volonté. Alors il devra vivre avec ce péché pour le restant de ses jours. Seigneur Dieu, c'est une peine plus terrible que la mort. Il ne trouvera jamais la paix. Quiconque tuera Caïn, ma vengeance le poursuivra cette fois. Ton fils parcourra la terre, solitaire et misérable, jusqu'à la fin de ses jours. J'ai marqué son front d'un signe, afin que ceux qui le voient sachent qu'ils ne doivent pas le frapper. Mes chers amis, ces 4 minutes, c'est l'histoire du monde. Écoutez bien. Écoutez bien. La religion et le cerveau. Rationalisme et fanatisme. Quand dans le pensée, vous avez cette idée-là que le Dieu va vous pardonner. Parce que même les terroristes, ils ne pensent pas comme ça. Ils ne pensent pas que le Dieu, qu'ils font mal, que le Dieu va leur pardonner. Comme Caïn qui va tuer Abel. Les terroristes, ils pensent qu'ils vont aller directement au paradis et ils exécutent l'ordre de Dieu. Quel Dieu te permet de tuer les innocents qui sont assis sous les traces de n'importe quel café en train de prendre un café ou un poisson alcoolisé ou pas alcoolisé. Tuer les innocents. C'est ça le problème, il faut le comprendre, mes chers amis. Que la religion doit être contrôlée pour ne pas fabriquer les terroristes. Renaissance, quand a commencé en Europe, protestantisme, quand ça a commencé en Europe, c'était les innocents qui ont fait face au bureau qui tuait, qui massacrait les gens. Et vous savez que le protestant, lui-même, il était la première victime encore. Combien en a brûlé des protestants? Combien? Mais ce protestantisme, comme je dis toujours, n'a pas été commencé dans la religion musulmane. Il faut le commencer. Il faut nettoyer l'idéologie. L'idéologie qui justifie ce que nous constatons aujourd'hui, ici et maintenant. Vous avez la parole, mes chers amis. Vous pouvez parler, vous exprimer, critiquer, soutenir, nous informer. Comme d'habitude, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20, mes chers amis. Ici et maintenant, ici et maintenant.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, à la fin, vous savez, après 300 000 signatures concernant le premier temps de la France, l'histoire de Brigitte n'a pas été abandonnée. Et nous sommes quoi, ce lundi-là, une charte a été publiée sur le site d'Élysée le 21 août 2017. Cette charte, quand même, il précise la fonction et la responsabilité de la femme du président Macron. C'est bien précisé, c'est seulement pour Brigitte et seulement pour le président Macron. C'est-à-dire, ce n'est pas une loi, soi-disant, domaine, on peut l'adapter pour les autres femmes de président. Mais dans cette charte, la responsabilité c'est limitée. Déjà, elle va représenter la France à côté auprès de son mari, dans le voyage, dans la réception, etc., etc. Et elle va superviser toutes les réceptions lisées. Mais il y en a d'autres activités aussi, soi-disant des activités en faveur des handicapés, éducation et culture. Voilà. Dans cette charte, les missions assez importantes pour Madame Macron, c'est ça. Il n'a pas de salaire, il devra exercer ça, soi-disant, gratuitement, avec deux conseillers. À l'époque, les autres présidents, ils avaient 10, 20 conseillers, mais elle va avoir deux conseillers avec un secrétariat. Mais cette secrétariat, on ne sait pas combien de personnes dedans. Mais avec un secrétariat, mais deux conseillers seulement, au lieu de 10, au départ de, je crois, de Hollande, et Carla Bruni, et 20, c'était pour Madame Chirac, à l'époque, elle avait 20 conseillers. Alors, à ce sujet, si vous êtes satisfait ou non, si vous avez encore des critiques, vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Les statuts de la femme de président en France, enfin, c'était publié dans une charte sur le site d'Élysée, mes chers amis. Alors, 08 92 23 95 20. On va vous recevoir, mes chers amis. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2.
Je sais que vous vous en foutez, mes chers amis, de première dame de la France, hein. Et voilà, mais si vous étiez parmi les 300 000 personnes qui a signé, voilà, c'était pour vous informer. Mais vous avez la parole. Sur quel sujet vous voulez parler? Surtout l'histoire de terrorisme actuellement. Moi, de temps en temps, je veux éviter de parler de ça, puisque je sais, écoutez, ministère, il dit 18 000, mais je sais qu'ils sont encore plus que ça. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut pouvoir s'exprimer. Pour ça, mes chers amis, donnez-nous vos idées, vos avis au sujet de cet problème mondial qui est en train de nous approcher jour après jour, et ce danger qui, malheureusement, il est devenu sujet quotidien, mes chers amis. 08 92 23 95 20. Vous avez la parole, mes chers amis. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant, ici et maintenant. Mais pour l'instant ça Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Actuellement, à cause de tous ces attentats terroristes, de voyager, de sortir sur les traces de cafés, de restaurants, terroristes, vous savez que terror, c'est faire peur en tout 10 personnes pour faire peur aux 10 millions de personnes. Pour ça, c'est très important de vous exprimer, de nous donner vos idées. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez eu peur? Vous avez peur de voyager? Vous avez peur d'aller prendre un verre sur n'importe quelle trace, oui ou non? Sans aucun doute, c'était ça. D'un côté,
et toujours les actes terroristes a détruit des grandes civilisations, d'un côté, et de l'autre côté, il a fait peur aux autres pour accepter les idées fascistes. Plusieurs fois, je vous ai montré, je ne sais pas si vous avez vu ou non, il y a beaucoup de films qui ont été faits. Imaginez-vous actuellement, vous avez en 10, combien des milliards de musulmans. Vous savez très très bien que ces milliards de musulmans, je suis désolé, hein, je sais que certains ne vont pas aimer, etc. Mais c'est la vérité. Ces gens-là qui sont devenus des milliards, soi-disant, musulmans, c'était par les actes terroristes. Ils ont eu peur. On a attaqué leur pays. Que vous soyez égyptien, marocain, tunisien, libanais, tous ces pays-là n'étaient pas ni arabes ni musulmans. Les arabes, c'était dans la péninsule d'Arabie Saoudite. C'est tout. Péninsule d'Arabie Saoudite, c'est l'histoire, c'est la vérité. Encore, vous ne voulez pas être fâché, hein? L'islam existait dans la péninsule d'Arabie Saoudite, en plus ce n'est pas dans la totalité de cette péninsule. La Mecque et Médine, deux villes. Ils ont sorti de leurs frontières, attaqué d'autres tribus, Khaybar, Hatef, Bani Qurayza, et attaqué. Ils ont attaqué, tac, 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 tac. Ils ont fait musulmans ces gens-là par les actes. Après, ils ont sorti de la frontière d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, de la péninsule. Il y avait des grandes civilisations phénériennes. Grandes civilisations phénériennes, grandes civilisations babyliennes en Irak. Il y avait grandes civilisations de pharaonais qui, jusqu'à aujourd'hui, vous allez en Égypte, vous allez être étonné de cette civilisation qui a été créée il y a déjà 5000 ans. Allez-y, regardez l'Égypte et la civilisation. Luxor, chaque fois qu'on fait de trous n'importe où dans cette ville, on trouve des monuments historiques énormes. Ces gens-là étaient capables de faire quoi? Comme le numérique d'aujourd'hui. Alors, on les a attaqués. C'est ça, c'est les actes d'aujourd'hui que vous voyez, parce qu'il ne faut pas, pour répondre à certaines personnes, certains ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand vous faites la guerre, vous devez être des braves soldats, courageux. C'est la guerre. Alors, n'oubliez pas, dans toutes ces guerres-là, il y a aussi la parole qui est très importante. La parole, de temps en temps, c'est la musique, le marche, et aussi, de temps en temps, c'est l'histoire que vous allez raconter. Mes chers amis, je crois que cette histoire de Barcelone est terminée. Vous aussi, ça y est, vous avez dormi, hein? Vous avez dit, c'est terminé, c'est fini, Barcelone, c'est fini. On n'en parle plus de terroristes. Non! Il faut trouver des solutions, et cette solution, ce sont vos idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? Je suis avec vous encore une heure. C'est-à-dire le minuit, juste pile. David est avec vous jusqu'à une heure du matin. Je ne veux pas que les dernières minutes que je vais partir, vous commencez à sonner. Non? Alors, que pensez-vous? Est-ce que les grandes civilisations du monde qui ont été tombées aux pieds des terroristes, ça sera le cas d'aujourd'hui? Ça serait le cas d'aujourd'hui, oui ou non? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on a peur de tous ces actes? On a peur, il faut se taire. Il ne faut plus parler. Il ne faut plus montrer l'ennemi. Les gens qui connaissent bien cette cause, il ne faut plus parler. C'est qui est derrière cette idées et actes terroristes. Ils sont tellement forts. Alors, vous avez la parole. 08 92 23 95 20. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Nous
Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir David. J'appelle jamais, hein, c'est la première fois que j'appelle. Je voulais vous féliciter pour votre courage, hein, déjà. Malheureusement, c'est triste de dire que des gens comme vous ont du courage dans la mesure où, dire la vérité, ça devrait pas forcément demander du courage. Et tant que des gens comme Michel Houellebecq ou Alain Finkielkraut ou Michel Onfray seront obligés de se balader avec des gardes du corps, non, on vivra l'enfer. Voilà, je suis effectivement extrêmement inquiet de la situation par rapport au terrorisme islamiste qui est à mon avis, on met pas assez l'accent sur le fait que c'est des actes racistes en fait, puisque c'est des actes à l'encontre de l'Occident, de l'Europe, d'un modèle de civilisation, d'une culture, donc quelque part c'est des actes racistes. L'aspect raciste est rarement souligné par rapport à ça. Et même si Trump dit des conneries par moment, moi j'ai trouvé son idée pas mal en fait, d'attraper, quand on attrape ces mecs là vivants, et ben de leur mettre une balle dans la tête en place publique, en direct sur internet, à la télé, puisque on a affaire à des barbares. Autant régler leur compte de manière aussi barbare, parce que j'ai l'impression que c'est le seul langage qui sont capables de comprendre, compte tenu de leur intelligence limitée. Je pense que nos démocraties sont trop faibles, et si on réagit pas nous aussi avec violence, on va finir par nous effondrer. Et je pense qu'il va falloir effectivement montrer un petit peu de haine, un petit peu de sang, et il va falloir répondre à la haine par la haine, parce que sinon on s'en sortira pas, ça va se multiplier, et puis des mecs qui écrasent des gens, on nous explique que c'est des cas psychiatriques, ça devient compliqué, et voilà quoi, voilà. Je sais pas ce que vous pensez, David, de la réponse répressive. Quelle réponse on doit apporter à ces gens-là? Moi, je voulais bien faire une émission, Laurent, et mettre en débat ce sujet-là. Est-ce que les terroristes, on doit les mettre dans les prisons ou non? Moi, je suis David Abbassi, et mes idées, c'est idées de gauche. Je suis pas ni raciste, ni de droite, extrémiste, je ne sais pas quoi. Tout le monde me connaît par mes écrits, par mes idées. Mais je suis pas d'accord que les terroristes qui tuent plusieurs personnes, moi-même, personnellement, c'est mon idée, hein, de leur mettre dans une prison, et là, il apprend plus, il apprend aux autres aussi, après les autres, il sort, il continue encore les actes terroristes. Déjà, moi, je pense qu'il faut un référendum en France, en Europe, à ce sujet-là, puisque quand ils n'ont pas peur, de temps en temps, c'est vrai, il sort, il dit, voilà, Allah Akbar, pour que tu tues, parce que c'est terminé. Mais tous ne sont pas comme ça. En grande partie, ils sont tellement contents de rester vivants et devenir héros vivants. Et ça, il faut l'empêcher. Moi, c'est mon idée. C'est l'idée de David Abbassi, hein. Moi, le moment que Badinter, à l'époque de Mitterrand, ils ont aboli la peine de mort, j'étais tellement content. J'ai félicité Mitterrand, Badinter également, etc., etc. Mais aujourd'hui, je vous demande, est-ce que quelqu'un qui vient assassiner les enfants, les hommes, les femmes, les gens, les vieux, dans un acte terroriste, est-ce que ces gens-là, ils méritent de rester vivants ou non? Non seulement ils méritent pas de rester vivants, mais comme on a affaire à des gens qui ne comprennent que le langage de la violence, moi je pense qu'à titre d'exemple, quand on en attrape vivants, ça serait bien de les exécuter de la même manière qu'ils exécutent les otages des fois, qu'ils les décapitent sur internet, etc. Je demande pas qu'on fasse ça en termes de justice, mais au moins qu'il y ait des exécutions publiques. De ces gens-là, je pense que ça calmerait beaucoup de velléités, ça en calmerait beaucoup. Je
pense que beaucoup seraient tellement choqués et effrayés par ce qui les attend. Je pense qu'il y en a beaucoup qui finalement remettraient leur ouvrage sous le tapis, parce que je pense que là ils risquent pas grand chose finalement. La prison, 20 ans, 25 ans, et puis ils sortent à un moment donné, on oublie et tout passe, tout casse. Je pense qu'on donne pas les bonnes réponses par rapport à ça. Effectivement, la peine de mort est abolie, tout le monde est content, on s'en félicite. Mais il y a des cas où il faudrait peut-être la rétablir pendant quelques temps. Voilà, pendant quelques temps, pendant le temps qu'on réglera ce problème. Et je pense que sinon, oui, effectivement, on va à notre destruction, parce que de toute façon, ces gens-là vont pas laisser tomber, quoi. Ils nourrissent une haine tellement forte vis-à-vis de l'Occident que l'attentat de Barcelone, c'est anecdotique. Il y en aura d'autres, malheureusement. Et je pense qu'il faut prendre des mesures difficiles, des mesures peut-être totalitaires, quoi, des mesures qui sont presque fascisantes aux yeux des gens de progrès, mais pendant une période donnée. Je pense que c'est la seule solution, à mon avis. Hein. Mais ce côté-là, Laurent, je suis pas d'accord. Nous, on ne devrait pas être fasciste comme moi, mais nous devons être loyal et légal. Quelqu'un qui a assassiné des innocents, il ne mérite pas de vivre. Voilà. Mais après les actes, moi, je suis pas d'accord avec couper la tête, égorger comme ils font, tout ça. Mais Laurent, écoute bien, s'il te plaît. Écoute bien. Oui. Je me rappelle, il y a déjà 27 ans. Morgan, ma fille actuellement, à l'époque n'était pas dans ce monde-là. Il est déjà 27 ans, sur cette antenne, quelqu'un m'a menacé. Comme quoi, il va venir à la radio, à l'époque on était tour de scène. Il a dit, David, je vais te gorger, je vais couper ta tête. Le son de ce monsieur, existe toujours sur l'internet. C'est-à-dire, il y a déjà 27 ans, ces gens-là, ils ont voulu égorger un écrivain, mais après quelques années, ils ont commencé à le faire, qu'ils soient en Algérie, en Syrie, en Irak. Et ces gens-là ne méritent pas d'être vivants, ne méritent pas de vivre. À l'époque, Laurent, c'était 6 heures du matin. J'ai sorti de la radio. Dès que l'ascenseur il est arrivé au rez-de-chaussée, je voulais sortir. Une dizaine de policiers m'ont entouré. Ils m'ont dit, vous êtes David Abassi? Je dis oui. Ils m'ont dit, monsieur, venez avec nous. À l'époque, j'avais une équipe, 4-5 personnes avec moi. Ils m'ont mis dans une voiture et je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, monsieur, sous l'ordre de notre ministre de l'Intérieur, on devait vous protéger. D'accord. C'était qui? C'était Charles Pasqua. Et le lendemain, j'ai téléphoné pour remercier Charles Pasqua. Charles Pasqua, il m'a dit, David, les gens qui vont égorger les gens, il faut être égorgé. Mais j'ai dit, monsieur le ministre, ça sera mieux d'être exécuté au lieu d'être égorgé. Voilà. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi que ces gens-là ne méritent pas de vivre. Mais les méthodes, il faut avoir des méthodes humaines quand même. Voilà. Ben ouais, mais les méthodes humaines, ouais, effectivement, j'ai l'impression que c'est des gens qui fonctionnent au symbole, ils fonctionnent qu'avec des symboles, parce qu'ils n'ont pas, ils ont ni la culture, ni l'intelligence, ni la capacité à comprendre les choses autrement que par des symboles, et des symboles simples. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'effectivement, il faut répondre à cette violence en particulier par la violence. Et je pense que nos démocraties sont vraiment trop faibles et qu'on va droit dans le mur. Et voilà quoi. Si peut-être si ces gens-là arrivent à nous imposer leur modèle de civilisation, comme tu l'expliquais pour l'Égypte, les pays du Maghreb, etc., qui n'étaient pas du tout musulmans, c'est peut-être ça qui nous attend aussi, puisque effectivement les Berbères ont résisté tant qu'ils ont pu. Les pays effectivement colonisés par l'empire arabe, l'empire musulman en tous les cas, ont résisté comme ils ont pu, mais au bout d'un moment la force leur a été imposée de rallier cette foi. Voilà quoi. Moi j'ai pas envie que l'Occident devienne musulman, quoi. Je suis désolé. Hein, mais ce danger existe malheureusement. Nous avons James avec nous. Reste avec moi, Laurent. On va écouter notre ami James. Bonsoir, James. Et bonsoir, monsieur Laurent.
Bonsoir. Eh bien, monsieur Laurent, votre propos m'a profondément choqué. Mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mais qu'est-ce que c'est pour ça, hein? Parce que voilà des individus, ce sont les plus faibles qui sont manipulés, certainement. Pour exécuter, on leur raconte des histoires de paradis, de vierges dans un au-delà, que par ailleurs il y a un enfer, mais il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Donc, utiliser la violence contre ces individus, ça me paraît être quelque chose qui ressort du œil pour œil, dent pour dent, que je trouve dans tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire celui des Juifs, voilà. Et des chrétiens. Donc, aussi, l'Ancien Testament, c'est judéo-chrétien, monsieur, hein, si vous êtes pas au courant que... Ah, le Christ, dans l'Ancien Testament, le Christ n'est pas encore né, cher monsieur. Oui, mais c'est l'Ancien Testament fait partie de la civilisation judéo-chrétienne auquel vous appartenez. Mais je vous dis que le Christ dans l'Ancien Testament, avant que le Nouveau Testament n'apparaisse, le Christ, personne n'en parle. Enfin, écoutez, franchement... Mais le Christ n'a jamais existé, monsieur. Vous savez ça ou pas? C'est ridicule ce que vous me dites. Évidemment, une fois qu'il y a eu la chrétienté, quoi qu'on en pense, effectivement, il y a un Nouveau Testament qui s'est basé sur l'Ancien, comme quoi l'Ancien aurait annoncé le Nouveau. On a des témoignages. De toute façon, l'Ancien Testament, le seul avantage qu'il a sur le Coran, c'est que pour le moment, il n'a pas été dicté par Dieu, mais par... je ne sais pas trop par qui, à la limite. Il s'est constitué comme ça au fil du temps, par règles successives. On ne sait pas trop, il y a des... moi j'ai lu un Ancien Testament protestant. Il n'y a que de la violence là-dedans. C'est effrayant. Bon, alors je ne sais pas comment il arrive à s'adoucir, et finalement on arrive à l'époque de l'occupation romaine, de l'Empire romain. Et là, il y a ceux qui collaborent, je parle du clergé qui collabore, et il y a les résistants qui veulent résister à l'occupation romaine. L'occupation romaine, c'est terrible parce qu'il y a toujours ce fameux écho. Non, mais c'est un peu trop blanc pour s'exprimer d'une manière un peu décontractée. Bon, enfin, écoutez, je veux pas me fâcher avec Monsieur Laurent, mais je trouve que utiliser la même méthode que ce que mortifère qu'emploient ces terroristes, c'est absurde. C'est dommage qu'on ait abattu le chauffeur du camion de Barcelone. Je me demande pourquoi, s'il n'y a pas quelque chose là derrière, parce qu'il était caché dans une vigne et les policiers le poursuivent. Est-ce qu'on n'aurait pas pu lui envoyer, avec les méthodes modernes, des fusils à longue portée, une flèche avec les produits qu'on utilise pour endormir les animaux féroces qu'on veut mettre dans les ménageries, etc., ou qu'on veut soigner? À ce moment-là, on aurait pu l'interroger. Il est probable qu'il se serait tué, ou on aurait vu, on aurait essayé de comprendre sa psychologie, on aurait essayé de le déradicaliser. Alors en France, il y a des expériences qui ont été tentées, mais elles ont été très mal conduites, et puis c'est trop nouveau, il faut savoir par qui ils vont être déconditionnés. Et si on regroupe tous les radicalisés entre eux, et qu'on cherche à les déradicaliser en groupe, il est bien évident que ça ne va pas marcher. Mais on pourrait quand même tenter de voir comment la psychologie humaine est capable de violence dans telle et telle condition, en fonction de l'hérédité, de l'ADN, de la période culturelle dans laquelle on vit, économique, des ostracismes, des communautés qui sont en proie à un ostracisme pour telle ou telle raison. Voilà, c'est tout. Essayez de comprendre, comme me dit Monsieur Abbassi, essayez d'être intelligent au lieu d'utiliser sans arrêt
tu l'as tué, et ben moi je vais te tuer, et puis etc. etc. Et on n'en finit pas, c'est ce qu'on appelle la vendetta, comme en Corse. Ça continue depuis des centaines d'années et rien ne bouge. Et l'humanité va s'autodétruire comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Enfin, moi, non, mais c'est vous avez le droit de penser ce que vous pensez, mais je crois qu'on est arrivé au bout de cette logique, malheureusement. Elle fonctionne plus. D'essayer de comprendre, d'essayer de d'étudier la psychologie, de trouver des raisons sociales, des raisons économiques, des raisons. Mais on les connaît. On les connaît déjà. Non, mais malheureusement, on est arrivé au bout de la compréhension. Monsieur M. Laurent. Nous sommes arrivés au bout de la de notre civilisation capitaliste. Comme l'avait prévu Karl Marx, je ne suis pas marxiste et Marx n'était pas marxiste. Ouais, nous sommes arrivés au bout presque au bout des contradictions du capitalisme, ouais. Et que Karl Marx, qui n'était pas marxiste, comme Jésus n'était pas chrétien, il était juif, Jésus. Tant qu'on n'aura pas résolu cette question de l'économie, de la pauvreté, bon, vous savez très bien ce dont je veux parler. Je suis un vieux bonhomme et je n'ai pas ce soir très envie de développer ce thème qui est développé à longueur de temps sur Radio Essai maintenant. Hein. C'est franchement, vous trompez de problème, excusez-moi. Alors, restez avec nous, nous avons Israël et plusieurs autres personnes qui sont en file d'attente. Israël, bonsoir, nous sommes avec... Oui, bonsoir. Nous avons acheté de ce qu'on dit dans le testament, une feuille d'or pour d'or. Je veux dire, c'est très mal compris chez les chrétiens, cette phrase, parce que c'est pour le aller crever, pas crever l'œil, ton œil à toi, mais on te fait payer la valeur de l'œil. C'est un dommage financier qu'on fait payer, d'après le Talmud, Pierre. D'après le judaïsme. Voilà. Pierre. Pour dire ça, parce que... Oui. Où es-tu, là? Tu nous appelles d'Israël? De Neuilly-sur-Seine. Alors, Pierre, toi aussi, tu as changé de nom, Israël, maintenant? C'est vrai que pour le... Bah oui, non, j'ai deux noms, j'ai Pierre et Israël, en fait. Ah, c'est bien, nom. Ok. Alors, j'ai Pierre, Israël, maintenant, voilà. Tu es toujours là, on ne t'entendait plus? Non, parce que ça coûtait trop de sous, parce qu'on m'était trop attendre, alors je vais laisser tomber. En plus, ma frangine avait annulé qu'on puisse vous appeler avec le 8, là, avec mon téléphone, donc ça tombait à l'eau. Et puis quand on fait trop attendre, je raccroche, de toute façon, maintenant, j'ai décidé. Je vais pas dépenser de fortune. Je pensais que tu avais fait ton alia et que t'étais parti en Israël. Ah non, pas du tout. Non, mais je veux dire, à mon avis, c'est un peu trop vache votre émission, parce qu'en fait, une éternité, ça coûte une fortune, avant qu'on passe. Je veux dire, c'est un peu lamentable. Quand je le faudrait que je passe rapidement, ça va, mais sinon, je laisse tomber. Voilà. On dit que votre bonheur, James, d'accord. Si tu permets, James et Israël, écoutez, quand tu dis que ça coûte trop cher, je vais te dire quelque chose. Vous allez vous mettre sous les traces de café et prendre des cafés. Vous fumez des cigarettes. Ça, attends, 15 centimes la minute, 15 centimes la minute, c'est ça? Ça fait en 10 minutes. Attends, j'ai pas fini. Par rapport à ce que Radio dépense, Radio depuis des années, c'est un Radio culturel, ce n'est pas commercial. Enfin, je ne veux pas pleurer ici, mais la radio, ce qu'il fait pour vous, par rapport à ce que vous donnez, c'est rien du tout par vos appels, puisqu'un café ou un paquet de cigarettes est donné à la radio. Mais je te comprends. Allô. Je te comprends. Allô. Oui. Allô. Oui. Je suis un hébraïque, qu'on a comme toujours de violence et tout. Je veux dire, les hébraïques et l'histoire du peuple juif. Et que l'histoire d'un peuple juif n'est pas plus sanglante que l'histoire chrétienne ou musulmane ou tout ce qu'on veut. Quand l'histoire des chrétiens, c'est bourré de peur, de... Je suis d'accord, Pierre. Quand on dit qu'elle est hébraïque et bourré de sang et tout, violente et tout, simplement c'est l'histoire d'un peuple juif entre autres, et c'est pas plus violent que l'histoire des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des juifs, tout ce que vous voulez. Voilà. Non, ensuite, j'aimerais dire, au sujet, à mon avis, au sujet du conflit des Juifs arabes, j'aimerais dire qu'à mon avis, la meilleure solution, c'est l'État binational. Pourquoi? Parce que d'abord, beaucoup de Juifs voudraient s'installer en Judée-Samarie pour des raisons religieuses ou autres. Ensuite, parce que beaucoup de Palestiniens rêveraient d'aller dans les frontières d'avant 67, retrouver, je sais pas comment on fera pour identifier leur logement ou quoi, selon 10 ans après ou quoi. Enfin, pour s'installer d'où leur grand-père ou leur grand-mère, ou je sais pas quoi, leur grand-père ou leur grand-mère sont partis.
Alors ensuite, même sans tenir compte de ça, dans l'état actuel des choses, il y a environ 20% d'Arabes musulmans qui sont les frontières de la 67 qui sont israéliens, et il y a environ 20% de juifs qui sont en Samarie, dans les frontières de la Samarie actuelle. Donc ça fait un peu, on est trop mélangé pour séparer les choses. Faut admettre un thème national comme vous l'avez dit à Yannou quand il n'y a pas à Trump, je crois, des thèmes nationales. Attends, Laurent, tu veux partir, Laurent? Bah ouais, parce que là, c'est dommage, on parlait d'un sujet d'actualité qui me semble vraiment intéressant. Là, on part sur Israël, machin. Bon, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Merci de donner ta place à quelqu'un d'autre. Et bravo, David. Merci. Bravo pour ce que vous faites, et bon courage. Merci, Laurent. Laurent, il a donné sa place à quelqu'un d'autre. Voilà, vous pouvez nous appeler. Mais nous avons James et Israël. Allez, moi, je vais peut-être faire pareil, parce que là, je suis pas très inspiré. Mais je me souviens que Pierre, pour ici maintenant, il a toujours dit qu'il était Pierre. Donc, tu es Pierre, hein, tu es Simon Pierre, tu es fait avec de l'argile, hein. Voilà. Et je crois que tu étais plutôt à gauche comme tendance, tu vois. Donc, Benjamin Netanyahou, c'est peut-être pas tout à fait ta tasse de thé. Je n'en sais rien, mais ne prends pas de risque avec tes amis. Voilà. Merci James, excellente soirée pour toi. Oui, et pourtant j'avais quelque chose d'important à dire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des auditeurs. Écoute. Alors, dis-le, James. On vous écoute. James, on vous écoute. Et oui, mais je l'ai oublié. Là. Ah, tu l'as oublié? C'était quoi? Oui, mais là, finalement, en parlant avec M. Laurent, ouais. J'ai finalement dit ce que je voulais dire sur Barcelone. Mais disons que moi, ma grand-mère paternelle était originaire de Barcelone. Et là, j'ai ouvert un géoguide de Gallimard qui m'avait coûté 3,90 €, et j'ai étudié tout Barcelone, tous les Ramblas, toute l'histoire de Barcelone, où est-ce qu'on mange bien, où se trouve la Sagrada Familia. Et compagnie. C'est une ville absolument extraordinaire, surtout depuis la dernière exposition, les derniers Jeux Olympiques où ils ont réaménagé des quartiers. Ils sont très sympas les Catalans, hein. Voilà, c'est vraiment triste pour que cette ville soit endeuillée avec ça. C'est une vraie métropole, hein. Il y a 2 500 000 habitants de... Ça date de 2014, mon guide, hein. Un guide dont il n'est pas périmé. Et il y a 2 500 000 avec l'agglomération. Et il y a la Méditerranée. On y mange royalement. Il y a le vieux. Moi, j'avais connu Barcelone à l'époque du vieux Barrio Chino avant. Quand est-ce que c'était? Oh, ben, il y a bien longtemps. Il y a les tapas. On fait la fête toute la nuit, et on chante, et on boit, et... Ouais, je sais bien que tu n'aimes pas boire, okay, tu n'aimes James, pas si tu voulais, mais avec David Abassi, on adore en boire du bon vin. James, on va prendre Dominique et restez avec nous si vous voulez. Je vous donne encore la parole, mais puisque Dominique aussi, ça fait longtemps qu'il attend. Voilà, Dominique. Oui, c'est Dominique là. Dominique, bonjour. Oui, Dominique, c'est Dominique fille. Oui, ah, Dominique, Miss Dominique. Voilà, les garçons, nous avons une Miss parmi vous. Voilà. Bonsoir Dominique. Justement, bonsoir. Je ne vais pas parler longtemps parce que je ne suis pas très familière avec la radio, etc. Mais j'adore Barcelone, j'y vais 3 fois par an, j'adore cette ville. Hein, bon. Donc je suis bien d'accord avec ce qui vient d'être dit. Voilà, mais je voudrais revenir au sujet d'origine, qui est toute cette violence, ce terrorisme, et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, j'ai quand même une petite idée très ambitieuse, parce que ces 3 religions qui mènent le monde depuis si longtemps, c'est des religions patriarcales. Voilà. Et c'est terrible. Et moi, ce que je voudrais, c'est donner l'impulsion à toutes ces femmes musulmanes de faire elles aussi du travail souterrain, mais du travail souterrain plutôt que ce soit pour aller commettre des attentats. C'est un travail d'éducation par rapport aux futures générations de leurs enfants, pour changer ça, pour essayer de lutter, mais par la douceur, par l'amour, contre ce patriarcat qui a fait tellement de dégâts dans l'humanité depuis si longtemps.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et je rends la parole à tous ces messieurs. Bonne soirée à tous. Merci, Miss Dominique, et bonsoir. Voilà, ça c'était Miss Dominique. Oui. Israël oui, est là. Oui. James aussi, vous êtes là, James? James, c'est dans, les chrétiens, chrétien, c'est. Toi, Israël, ça allez. Se discute parce qu'il y a Marie quand même, il y a Marie, c'est les chrétiens, qui est, c'est quand tu dis que les protestants et les orthodoxes c'est important, qui est une femme et qui a une base importante. C'est pas si évident que ça chez les chrétiens. Bon, je disais, il y a des prophétesses qui étaient juives. Il y en a 8, je crois, sur 50 et quelques prophètes qui sont des répertoriés. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux dire, donc, que c'est un peu une courte vue de dire que les religions sont patriarcales. À mon avis, il faut quand même dans un couple que le mari peut demander conseil à sa femme, et on dit beaucoup de bien des fois qu'ils donnent bon conseil à leur mari. Il faut bien qu'en derrière ça, il y ait le mari qui décide. Est-ce qu'on continue en France? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'on met l'enfant à telle école ou telle école? On peut discuter avec sa femme de beaucoup de choses, enfin, il faut bien quelqu'un qui décide, si on n'est pas d'accord. Alors, on peut dire que ça peut être la femme qui décide, bon, je veux bien, bon, pourquoi pas. Bon, enfin, dans la tradition du monde méditerranéen et de beaucoup de pays du monde, c'est le mari qui décide. Hein. Allô? Oui, Israël. Pierre, alors, hein? Oui. D'accord. Enfin, appelle-moi Pierre si tu préfères, voilà. D'accord, Pierre, d'accord. D'accord. Pierre, dernier mot? Oui. Ok, si tu as tout dit, on va te dire au revoir. Tu as laissé ta place à quelqu'un d'autre. Non, vas-y, mais qu'est-ce que tu dois dire? Non, c'est bon, je t'ai écouté, et tout le monde t'a écouté, c'est ouais. Bon. Ouais, oui. Ben, je vous quittais, si quelqu'un veut revenir sur le cabinet national, ça m'intéresserait. Ouais. Parce que Nathalie ne se parle à Trump apparemment, c'est dans ses idées. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait, on part pour des états, il n'y a aucun résultat pratiquement. Faut bien faire une fusil d'épaule, comme on dit, pas pour tuer, mais enfin pour avoir un résultat. Et en fait, à mon avis, la meilleure solution, c'est le cabinet national. Il faut bien se décider pour bien organiser les choses au départ, et ça peut être marché finalement. Alors, je crois que quelqu'un a parlé qu'il y ait un ennemi israélien, après qu'il y ait deux parlements, un parlement israélien juif et un parlement musulman, enfin arabe, palestinien, et ainsi de suite. On peut voir comment on peut s'organiser, comment on va faire les choses et tout. D'accord? D'accord, merci Pierre. Allez, au revoir. C'était Pierre sur 95 FM avec James et Dominique. Et maintenant, vous avez la parole, mes chers amis. En composant le 08 et 92 23 95 20. Ici et maintenant. Ici et maintenant. J'arrive quand je veux, 95.2, ici et maintenant. Vous écoutez radio, ici et maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
vous écoutez votre radio sur 95 d'O FM, bien sûr, n'oubliez pas, nous sommes sur la RNT, Radio Numérique Terrestre, le canal 9A, et bien sûr en même temps dans le monde entier, n'importe où que vous soyez, à partir de votre téléphone portable même, iPad, n'importe quel ordinateur, en tapant ici maintenant .com, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Voilà, vous nous écoutez également. N'oubliez pas que quand vous êtes sur ici maintenant .com, vous avez d'autres two choice, comme on dit les Américains, mais deux choix. Vous pouvez regarder, écouter, vous pouvez seulement écouter. C'est-à-dire, vous pouvez appuyer, seulement écouter. Wow, vous êtes en train de conduire, vous pouvez nous écouter tranquillement. Par exemple, si vous êtes à Los Angeles, ou vous êtes à New York, je ne sais pas quoi, 9 heures de décalage avec Los Angeles, et j'ai des gens actuellement qui sont en train de nous écouter à partir de Los Angeles. Voilà, les anciens parisiens qui sont là-bas, je les salue toutes et tous. Nous avons notre ami Farid qui est avec nous. Bonjour, monsieur Farid. Bonjour, monsieur David. Bonsoir. Bonsoir, ça va, vous allez bien, monsieur Farid? Ouais, doucement, doucement, doucement. Et quand vous dites doucement, ça veut dire quoi, monsieur Farid? Ben, ça veut dire qu'il y a mieux, quoi. Il y a pire, mais il y a mieux. Parce qu'avant, tu disais Alhamdoulilah. Maintenant, tu dis doucement. Je me rappelle de toi. Je me rappelle de toi. Avant, tu disais Alhamdoulilah. Ça veut dire, mais maintenant, tu dis doucement. C'est-à-dire, tu n'es pas content. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. On vous écoute. Il y a des hauts et des bas. C'est bon. La vie. C'est la vie. Ouais, le monde est devenu fou. Complètement fou. Je crois que, en fin de compte, le mal, il est installé sur la terre, de la faute des hommes, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs ou athées. De toute façon, il y a une catégorie d'hommes, peut-être, je ne sais pas si je suis dedans, j'en sais rien, parce qu'on ne se connaît pas vraiment bien soi-même, qui veulent dominer et s'accaparer des richesses et dominer les autres. Donc, à partir de là, la guerre est déclarée, forcément. Maintenant, il y a des fous. C'est pas parce que quelqu'un veut me dominer que je vais le tuer. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, mais il y a un moment donné, il y a des individus, des personnes qui sont fragiles. Fragiles et manipulables. Mais si on cherche pourquoi ces gens-là ont sauté les plombs, ont pété les plombs, on peut toujours trouver des explications. Pas des excuses, hein, des explications. Lorsque tu vois que ce fameux, paraît-il, je ne sais pas s'il est réel, mais je le crois quand même, le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire qu'on ne veut plus qu'il y ait ni des religions, ni des cultures, ni des nations. On veut que le monde devienne un village et il y aura une poignée d'hommes, qu'ils soient de quelque religion qu'ils soient, peu importe, pourvu qu'ils arrivent à jouir et à dominer et à s'enrichir un maximum. À partir de là, tous les autres, ben, c'est une quantité négligeable pour eux, parce qu'en fin de compte, on fait venir des Chinois, des Arabes, des Ukrainiens, des Polonais en Europe, et puis un autre jour, on envoie des usines en Pologne et je sais où ailleurs. Le monde est complètement désorganisé. Moi, ce que je souhaiterais, le paradoxe, c'est que moi, je suis en France et en Occident, et je m'y trouve bien en plus, mais ce que je souhaiterais, c'est que chaque peuple reste dans son territoire, avec sa culture, et qu'il fasse sa cuisine comme ça lui plaît. Moi, je suis contre la mondialisation et l'uniformisation où le McDonald's est partout sur la Terre, moyennant, comment on appelle ça, des perversions, où on achète des gouvernants, où on les oblige, où on arrive à faire du commerce avec des méchants, tels que le roi d'Arabie Saoudite. On arrive à faire du commerce avec des gens avec qui on n'est pas du tout d'accord, mais comme l'argent n'a pas d'odeur, en fin de compte, la finalité de ces prédateurs mondialistes, ce
ce n'est pas la morale, c'est le pognon. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui se disent, là, ça ne va pas. Moi, j'en ai marre. Comment je vais m'en sortir? Quel est le responsable? Pourquoi je suis dans la misère? Pourquoi les autres viennent dans mon pays décider qui gouvernera? On lui vend des avions, on lui vend des fusées, enfin des missiles, même des armes chimiques. Il n'y a aucun pays arabe qui était capable de produire des armes chimiques. Et quand ils les ont utilisées, on le dit au scandale. Qui c'est qui leur a vendu? Ils sont pas capables de fabriquer même un fusil. À part l'Iran. L'Iran, ils sont pas des Arabes, ils sont des Perses. Et on veut leur interdire. Là, je crois qu'il y a un problème. Israël, la Russie, l'Amérique, la France, l'Angleterre, le Pakistan, l'Inde, la Corée, la Chine, ils fabriquent des armes et même des armes nucléaires. Et on dit aux autres, pourquoi vous voulez les fabriquer? Parce que vous n'avez pas le droit, nous on peut savoir, mais pas vous. Il y a un problème, non? Il y a des gens qui deviennent fous. Disent, nous, on veut bien vivre aussi. On veut vivre tranquille. Mais seulement, il y a des gens qui disent, non, vous n'allez pas vivre tranquille, vous allez vivre sous notre botte. On va décider de votre avenir. Et on va vous expliquer comment il faut vivre. Pourquoi est-ce que le monde est devenu un village au profit d'une poignée d'individus, alors que, je ne sais pas, moi, dans une famille, moi, je ne supporterais pas qu'un voisin vienne dire comment je dois éduquer mes enfants, est-ce que je dois manger, comment je dois faire les choses. Que chacun fasse sa cuisine chez lui, à son goût et à sa manière. Pourquoi des ingérences partout comme ça? En Irak, en Libye, en Syrie, un peu partout, en Afrique, au Congo, partout où il y a de l'argent, où il y a des minerais, où il y a de l'or, des diamants, du pétrole, du gaz, il y a toujours des guerres. Et qui c'est qui va là-bas? Ce sont ceux qui ont la technologie militaire. Eh bien, après, il y a des gens qui disent, vous, il y en a marre. Et ils deviennent fous. Alors, c'est pas une excuse, hein, mais c'est une explication. Qu'est-ce que t'en penses, David? Je t'écoute, cher Farid. Je t'écoute. Tu m'as écouté, là, non? Oui, oui, je t'écoute. Mais tu sais, il y a un problème que toujours on avait dit, et c'est ça. Il y a un côté de l'intelligence... Qu'est-ce que tu manges, là? Rien. C'est pas du cochon, non? Je mange du cochon, pas de problème. Et je bois. Non, l'enfer. Je bois et je mange du cochon. Wow, parce que le Dieu, il a créé des choses bien. T'es pas encore devenu musulman, alors. Tu sais, ça viendra. Farid, même toi, tu n'es pas musulman. Voilà, tu n'es pas musulman. Si, c'est pas David qui te dit. Tu peux aller demander dans n'importe quelle mosquée. Oui. Il te va parler de toi. Après, à la fin, tu vas voir qu'il va dire que tu es musulman ou non. On est tous musulmans. Ce monsieur, ton copain, il était tellement intelligent, Farid. Il était tellement intelligent, cette personne, monsieur était tellement intelligent, tu sais. Qui était intelligent? Tu vas le comprendre, attends. Tu m'écoutes? Tu peux écouter 2 minutes quand même. Oui, pas trop longtemps parce que il était tellement intelligent. Écoute, c'est bien pour toi. Il était tellement intelligent qu'il est venu dans ce monde il y a déjà 1400 ans. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Mohammed. Voilà, Monsieur Mohammed. Nabi, c'est Nabi. Oui, Nabi, c'est pour vous, Nabi, c'est-à-dire prophète, celui qui Nabaoukoum. Voilà. Et lui, il était tellement intelligent. C'est pour ça que moi toujours je parle de l'intelligence et de l'imbécilité. Il n'a même pas été à l'école, quand tu dis. C'est des mensonges. Écoute bien. Écoute. T'étais pas là. Hein. Moi, je le connais bien. Ah oui, tu le connais toi. J'étais pas là, mais il parlait 7 langues. T'as pas 14 siècles. Hein. 7 langues. Il écrivait 4 langues. Il pouvait écrire. C'est un berger. Écoute. C'est un berger, c'est ni lire ni écrire. Et tu m'écoutes quand même ou non, quand même? Écoute maintenant. Ouais, mais tu dis des bêtises. Non, alors, je te ferme maintenant, je parle et tu vas écouter. Regarde, déjà,
déjà pour te donner des preuves comme quoi il parlait plusieurs langues, il écrivait plusieurs langues, puisque je suis un spécialiste. J'ai un bouquin, j'ai écrit le Coran, poésie en style persan. Et je connais bien le Coran. Dans le Coran, tu as des mots hébreux, des mots perses, des mots éthiopiens, des mots syriani, des mots qui ne sont pas des mots arabes. Et je les ai sortis, tous ces mots-là. Tu tapes sur l'internet, tu vas lire mon livre, Le secret de l'islam, et tu vas le trouver. Et ce que je te dis, c'est la vérité. Alors, l'individu qui parle plusieurs langues, seulement il peut citer plusieurs langues dans son livre. Parce qu'à mon avis, c'est ton avis. Mais à mon avis, c'est M. Mahomet lui-même qui l'a écrit avec ses conseillers le Coran. C'est lui qui l'a écrit. Alors là-dedans, tu as des mots. Par exemple, takvir. Vous avez un verset, il s'appelle takvir. Takvir, il vient de mots courts. En vogue, Ama, c'est iranien, c'est perse. Après, vous avez des mots hébreux. Mais j'étais en train de te dire quelque chose d'autre. Tu as détourné ma parole, Farid. C'est pour ça que je te ferme 2 minutes pour parler. Après, je t'ouvre, tu parles. Et promets-moi de ne pas être fâché. Écoutez, mes chers amis, il était tellement M. Mahomet intelligent. Il est venu dans ce monde il y a déjà 1400 ans. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu ici, il a déjà 1400 ans, mais il était tellement intelligent qu'il a dit, écoutez, tous les gens qui m'ont précédé, c'était des musulmans. Abraham, il était musulman. Moïse, il était musulman. Issa, il était musulman. Tout le monde était musulman. C'est la parole que notre ami Farid, il vient de dire. Moi, je te pose une question. C'est Macron qui a fondé le parti politique La République En Marche. Est-ce que lui, il peut venir ici et maintenant dire que Sarkozy, il était membre de son parti. Chirac, il était membre de son parti. Charles de Gaulle, il était membre de son parti. Napoléon, il était membre. Ça, c'est de démagogie, on dit. C'est-à-dire, lui qui dit ça, il est intelligent, mais l'individu qui accepte ça, c'est un imbécile. Parce que M. Mohamed, quand il est venu, il a déjà 1400 ans, et il a dit, tous les gens qui m'ont procédé étaient des musulmans. Ces gens-là n'existaient pas, c'était Mohamed n'existait pas à leur époque. Je sais que tu es fâché, dès que tu ouvres, tu vas dire quelque chose de Farid, mais c'est pas grave, voilà. Seulement, je voulais te répondre parce que j'ai beaucoup de respect pour toi et pour les autres. On vous écoute, monsieur Farid. Farid, tu es parti, hein? Farid, il est parti, mes chers amis. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez nous appeler. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Mais ce truc-là aussi que je viens de vous dire, l'intelligence de ce monsieur, qu'il prétend tous les gens qui étaient avant lui, il était musulman. Comment ça se fait? Il n'existe. Toi, tu n'existais pas à l'époque. Ici. Quand ça? Maintenant. Comment? Ici maintenant. Ici maintenant. Ici maintenant. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Depuis plus de 3 ans, Radio Ici et Maintenant émet sur le canal 9A de la RNT, la radio numérique terrestre, où nous avons retrouvé notre pleine fréquence. Ça suppose de vous équiper d'un poste en DAB+, mais nous y sommes présents 24 heures sur 24, comme en bon nombre d'autres stations. On vous attend 24 heures sur 24 sur le canal 9A de la RNT. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant, ici et maintenant. Mais pour l'instant ça Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Chers amis, c'était notre émission de ce soir. Je vous remercie toutes et tous de votre fidélité et envers votre radio. Merci beaucoup, mais n'oubliez pas, restez à l'écoute de votre radio. Toujours vous avez des sujets intéressants et vos propos également. Mais comme dernièrement, mes chers amis,
Vous savez, n'oubliez pas, j'ai commencé avec ça, notre émission, la différence entre le cerveau et être rationnel, avec être croyant aux gens que la plupart des fois, c'est des charlatans. Ils disent n'importe quoi et ils ont dit n'importe quoi dans l'histoire pour attirer l'attention des imbéciles. Je suis... franc avec vous, hein. Moi-même aussi, je suis un imbécile. Hein. Ne pensez pas que moi je me considère comme Platon ou Socrate. Non, je suis aussi un imbécile parmi des imbéciles. Nous, les imbéciles, qu'est-ce qu'on fait? On écoute celui qui parle bien, qui donne de grands mensonges. On va l'écouter, mais après, on va aller à la rencontre d'autres individus. Et n'oubliez pas, tous les massacres, tous les assassinats, tous les terreurs, toutes les guerres dans le monde, c'était fait par les gens qui se croyaient d'être intelligents et être en contact ou représentants de Dieu. Cette histoire de Dieu, c'est pour ça un des livres que David a écrit, c'était quoi? Je rêvais de Dieu. Il pleurait comme un bébé. Il pleurait pourquoi? À cause de tout ce qu'est nous avons fait et nous sommes en train de faire à son nom. Ces individus imbéciles qui tuent les autres en pensant qu'ils vont aller en paradis. Quel paradis! Qu'ils vont aller rencontrer 72 vierges. Quelle vierge! Quel autre monde! Mairie de Paris seulement. Avec l'argent qu'il a, il ne peut pas construire des habitations pour les gens qui n'ont pas appris avec la richesse que la France il a. Alors le Dieu, comment il va lui fabriquer des châteaux ou des milliards des trilliards pour les imbéciles, pour les imbéciles qui pensent qu'ils vont aller en paradis et rencontrer 72 vierges et après en plus ils vont boire du vin dans les rivières miel dans les rivières. Et quoi encore? Du lait dans les rivières. Ils sont tellement imbéciles, j'insiste, qu'ils ne savent pas, puisqu'ils n'ont jamais bu peut-être, que le vin, s'il reste dans la chaleur du soleil, il va être abîmé, il devient vinaigre. Miel, jamais il ne peut pas descendre dans les rivières. Et du lait, s'il sort de frigo, 2 heures après, vous pouvez plus le boire, vous allez mourir. Vous voyez comment ils sont imbéciles? Cette imbécilité, aujourd'hui, il est en train de tuer les gens dans le monde entier. Et imaginez-vous bien que quand ils ont fabriqué Daesh, Al-Qaïda, Taliban, tout ça pour l'Afghanistan, pour la Syrie, c'était un autre but qu'ils cherchaient. Le but principal. C'est ça, avertissement de la part de David Abbassi. Avertissement de la part de David Abbassi. Le but officiel, ce n'était pas de conquérir la Syrie, l'Irak et tout ça. C'était pour former les fous, les imbéciles, pour les envoyer dans leur pays d'origine. Espagne, France, Angleterre, Allemagne, Finlande, etc., etc. Et là, nous devons être intelligents en même temps, courageant en même temps, quand c'est la guerre, c'est la guerre. Dans la guerre, quand il va te tuer, c'est à toi de réagir avant lui. La guerre, c'est ça. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine émission. Encore, on va parler des choses assez intéressantes. Et n'oubliez pas, votre participation est très importante. Votre participation est très importante. Et toujours, n'oubliez pas, dès que David commence à parler, vous avez la parole. Si vous appelez, vous avez la parole. David, il va se taire et il va vous donner la parole. Autre chose, il ne faut pas oublier. David Abbassi, ce n'est pas la radio ici maintenant. La radio ici maintenant n'est pas David Abbassi. Ce sont mes idées que j'ai le plaisir de l'exprimer sur cette antenne. Et je le remercie, le président de cette radio, de me donner la parole. Voilà. Et n'oubliez pas, mes chers amis, c'est les idées et les paroles d'un historien abbasside, descendant des abbassides. Je connais bien l'histoire, je connais bien le Coran, comme je dis à Farid. Voilà. Et bien sûr rationnel, et que je crois
qu'il existe un architecte dans cet univers, mais les religions, comme je vous ai montré la petite histoire des enfants de Adam et Ève, comment le massacre, le tuer, le terreur, l'assassinat a commencé par eux, par la religion, et après c'est le Dieu qui va bénir l'assassin, il va le laisser champ libre pour... La même chose existe dans le Coran. Le Coran, il dit, j'ai fabriqué l'homme, après j'ai demandé à tous les anges de être au pied de cette créature, c'est-à-dire Adam. Tous les anges étaient au pied de Adam, sauf le diable. J'ai dit, diable, monsieur diable, pourquoi tu ne m'obéis pas? Pourquoi tu ne tombes pas au pied de Adam? Il a dit, mon Dieu, mon cher ami, moi je suis de feu, la lumière. Et ça, c'est de ténèbres. Je ne veux pas prier pour le ténèbre. Après le Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Allah, c'est-à-dire, ce n'est pas le Allah. Allah, il dit, alors sors-toi, tu peux rester vivant. Presque la même chose qu'Adam, il a dit à Abel. Il a dit, sors-toi, et toi, avoir le temps de tourner la tête de mes fidèles pour les ramener à l'enfer avec toi. C'est quoi? C'est quel Dieu qui prépare l'enfer pour les gens? Vous voyez? Tout est faux et tout est fabriqué dans les ténèbres et dans pour les imbéciles. Mes chers amis, je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois.